qu'on a un peu oublié ce que Québec était dans la première moitié du 19e siècle. La ville que Théodore Frédéric Moult découvre jouit d'une belle prospérité due au commerce du bois. Le port, les chantiers navals, la présence de la garnison britannique, du siège de l'Épiscopat et du Parlement du Bas-Canada font de la capitale un endroit bouillonnant d'activité. Jusqu'en 1830, c'est la ville canadienne la plus populeuse. L'apport de Moult au monde de la musique demeure modeste si on le juge seulement par ses compositions. Il est immense, cependant, si l'on tient compte de ses activités d'enseignement. Sans doute reste-t-il encore un peu de lui dans la vie musicale de Québec, après tout. La musique et les parfums ne sont-ils pas les domaines les plus persistants de la mémoire? Henriette. Bonjour. La partition que vous avez commandée, Monsieur Moult. Papa ne l'avait pas si tôt reçue de Londres que je lui arrachais des mains pour vous la porter. Quelle diligence. Y aurait-il une raison secrète derrière cet empressement? On dirait que vous ne passez commande de partition chez Monsieur Glackmeyer que pour que sa fille vienne vous les livrer. Si je n'avais pas une leçon à donner dans quelques instants... Justement, votre élève pourrait arriver. Les marches craquent tellement qu'on l'entendra venir. Certains ont le pied léger. Songez au scandale. Ce n'est pas le temps de perdre votre pratique. Les leçons de musique que vous donnez sont lucratives. Nous avons besoin de sous pour nous marier. Vous ai-je parlé de mes inspirations de concert? Des ensembles de musique que j'aimerais mettre sur pied? De mon inspiration pour quelques œuvres? Papa connaît présentement des ennuis financiers. Henriette, nous avons déjà parlé de tout cela. Je vous épouserai sans dot. Et les marchands qui tiennent des comptes envers votre papa n'auront qu'à bien se tenir. Je pourrais même l'aider. Quand j'étais dans l'armée de Napoléon, j'étais responsable de la comptabilité de mon régiment. Ah, j'avais imaginé que vous y étiez musicien. Que non. Mais à mon retour chez moi, je me suis jeté à corps perdu dans l'étude de la musique. Mon père était organiste à l'église luthérienne de Gschwen, non loin de Stuttgart. Je suis devenu assistant à l'école qu'il dirigeait. C'est là que j'ai découvert ma passion pour l'enseignement. Mais je dois le reconnaître, mon manque d'expérience me rendait trop sévère. Ah, ça, je vous imagine bien dans le rôle du grognon. S'il en est ainsi, rapportez la partition et dites à votre père que vous ne m'avez pas trouvé. Mais je viendrai la prendre chez vous tout à l'heure. (rire) 1759, c'est la catastrophe pour la France qui perd sa colonie de Nouvelle-France et Québec, le centre de Québec, l'âme de Québec avec sa cathédrale est en ruine, bombardée. Il y avait un orgue dans cette cathédrale, un orgue installé en 1753 qui est lui aussi détruit et tout est à refaire. La colonie britannique donc s'installe tranquillement et elle est surtout constituée à l'époque de militaires. Or ces militaires qui viennent d'Angleterre sont des gens qui souvent viennent d'une classe sociale assez éduquée. Ils ont fait de la musique. Qu'ils sont d'excellents musiciens en général. Ils jouent d'instruments à vent, évidemment, parce qu'ils font partie de l'armée et donc d'une espèce de fanfare militaire, la bande, comme on l'appelle. Mais ils sont aussi très souvent clavecinistes, flûtistes, violonistes, chanteurs. Alors, ils vont apporter à Québec une culture qui n'existait pas tellement en Nouvelle-France. C'est qu'il y avait de la musique en Nouvelle-France, il y avait toute l'éducation donnée par les Ursulines, les Jésuites, mais il y avait la musique sacrée, catholique, assez limitée quand même, et il y avait beaucoup de musique à la française. On essayait de reconstituer à Québec une vie comme en France, avec des bals, des danses, des spectacles, mais lorsque les Anglais arrivent, ils apportent un répertoire beaucoup plus diversifié. Ils amènent de la musique italienne. Par exemple, on va jouer des sonates et des concertos de Corelli avec eux, qui ne s'étaient jamais fait pratiquement en Nouvelle-France. Ils amènent des œuvres de Haydn,
Haydn de Mozart. C'est inouï pour les gens d'ici à l'époque. Et en 1793, ils vont même oser présenter des extraits du Messie de Handel, incluant l'Alléluia, évidemment, qui va conquérir les cœurs. Et entre les Canadiens français, comme on les appelle à l'époque des Canadiens, et les Anglais, les Britanniques, il va y avoir, par le biais de la musique, du théâtre, des arts en général, une certaine harmonie, parce que les Canadiens sont habitués à des spectacles. Ils ont besoin de danser, ils ont besoin de voir un peu de théâtre, ils ont besoin de s'amuser. Et les Britanniques ont le même besoin. Alors très souvent, ils vont fraterniser pour faire des soirées, des spectacles absolument extraordinaires. Et les grands prétextes qu'ils ont pour faire des bals et des fêtes spéciales, ce sont les anniversaires du roi, George III, de la reine aussi, et la venue du prince Edward, qui sera le futur duc de Kent et le père de la reine Victoria beaucoup plus tard, qui lui arrive avec une fanfare et qui va organiser là aussi des concerts. Alors il va y avoir, grâce à tout ce milieu britannique, un engouement pour une nouvelle musique. On va construire des théâtres, on va avoir des salles de spectacle. Il y aura même un hall franc-maçonnique qui va recevoir des musiciens. Il y aura toutes sortes de choses qui étaient nouvelles. Et je pense que la société va se développer d'une manière assez étonnante à ce moment-là sur ce plan artistique. Théâtre, aussi bien anglais que français aussi. Opérette, musique comme des pièces qui viennent d'Angleterre ou qui viennent des États-Unis, en fait d'Amérique à l'époque. Et on va donc vraiment avoir un panorama assez spectaculaire, je pense, de tout cela. Alors, en 1776, lorsque les Américains se sont soulevés contre le régime britannique, ils ont eu aussi l'intention de s'allier avec certains Canadiens français pour détrôner en quelque sorte les Anglais. Et ça a donné évidemment une marche vers Québec, vers le Canada, vers Montréal. Et on a fait appel à ce moment-là, les Britanniques ont fait appel à des mercenaires d'origine allemande. Et parmi eux, il y avait le baron von Ritzel qui est arrivé avec plusieurs milliers de soldats, des mercenaires, pour prêter main forte aux Britanniques et aux loyalistes en général. Et de cela, pendant les quelques années où le baron von Ritzel va être au Canada, entre 1776 et 1783, il va lui aussi
poser quelques jalons, parce qu'avec ces troupes, il y a des musiciens là encore, des gens qui sont enrôlés dans l'armée qui, pour faire de l'argent, ou simplement par conviction politique ou militaire ou personnelle. Et parmi ceux-là se trouvent des musiciens donc, qui ont été formés selon la tradition allemande typique de composition, d'apprendre plusieurs instruments, de savoir jouer aussi bien de l'orgue que de chanter ou de donner des leçons. Et parmi eux, il y a un certain Friedrich Glackmeyer, qui sera connu ici comme Frédéric Glackmeyer, qui va s'installer à Québec. Et lui, il va devenir un des piliers de la vie musicale québécoise, parce qu'il va s'imposer très rapidement dans les années 1780 comme un professeur de musique, comme un marchand de musique. Il va importer des instruments de musique. Il va même importer des cordes de guitare pour les gens qui jouent de la guitare de façon amateur, parce qu'on manquait de ce genre de matériel. Il va importer des partitions. Il va faire venir des choses principalement d'Angleterre, puisque c'est de là que se fait le commerce à ce moment-là. Et ça va donner un foisonnement assez incroyable à Québec. Il faut se rappeler aussi qu'à cette époque-là, il n'y a plus d'orgue dans la ville de Québec. L'orgue de 1753 a été détruit et il va falloir attendre 1802 pour qu'on fasse venir d'Angleterre un orgue pour la cathédrale Notre-Dame de Québec. Et à cette époque-là aussi, on va construire une cathédrale anglicane, Holy Trinity, où nous sommes présentement. Et à ce moment-là, là aussi, il a fallu faire venir un orgue pour cette église qui va être inaugurée donc en 1804. Et là aussi, on fait venir du même facteur Thomas Elliot un orgue pour la cathédrale anglicane. Alors, il a fallu là aussi avoir des organistes. Et Glackmeyer, évidemment, s'est proposé et fut un des organistes de la cathédrale de Québec pendant quelques années. Glackmeyer a fondé famille avec une demoiselle O'Neill, qui est orthographiée de différentes façons, parfois à l'irlandaise, O'Neill, parfois à l'oreille, O'Neill, donc on ne sait pas trop exactement. Et il a eu une grande famille, comme c'était à l'époque. Et parmi ceux-là, plusieurs ont fait de la musique, dont un de ses fils, Louis-Édouard, qui est devenu plus tard notaire et qu'on appelait familièrement le notaire Glackmeyer. Donc c'est une belle tradition. Glackmeyer a fait venir non seulement de la musique, mais il a aussi créé des ensembles de musique, des sociétés harmoniques. Il a été vraiment une des charnières musicales de la ville de Québec. Et je pense qu'en ce sens-là, ça a été un personnage assez fabuleux. Parmi ses enfants, il y avait Henriette, qui était une pianiste et une excellente musicienne, et qui allait connaître un destin à la fois assez fascinant, mais aussi à la fois tragique, dont on aura l'occasion sans doute de parler un peu plus tard. Parmi les Allemands qui se sont installés à Québec, il y a eu un singulier personnage qui s'appelait Théodore Friedrich Moltke, en fait en allemand Théodore Friedrich Moltke, qui était né en 1795 à Schwendt, dans le Bade-Württemberg d'aujourd'hui, et pas très loin de Stuttgart, donc dans un beau paysage très naturel, une belle petite ville. Son père faisait de la musique, il était organiste, et plusieurs de ses frères aussi avaient fait de la musique. Et il s'est retrouvé dans l'armée de Napoléon. On peut se demander pourquoi. Tout simplement parce que Napoléon, à l'époque, était en train de conquérir l'Europe et avait signé quelques pactes avec certains duchés et principautés allemandes, puisqu'on sait que l'Allemagne n'était pas unifiée à l'époque, mais faite de multiples principautés. Et avec le Bade-Württemberg, entre autres choses, il y avait une alliance qui fait que, spontanément, beaucoup d'Allemands se sont enrôlés dans l'armée napoléonienne. Et Moltke a tenu la comptabilité, a été plus dans l'administration que sur le front, mais on nous raconte qu'il a été catastrophé par le désastre de Waterloo, évidemment, en 1815, et qu'après cela, évidemment, après la débâcle napoléonienne, il est retourné en Allemagne, où il a pris sérieusement des leçons de musique avec son frère, avec sa famille, donc, et est devenu un compositeur, un musicien. Mais un musicien, probablement, comme tant d'autres en Allemagne, difficile de rivaliser avec des génies comme Beethoven ou comme le souvenir de Mozart ou de Haydn, donc on peut bien comprendre
comprendre que pour ce jeune homme, comme pour beaucoup de musiciens, l'Allemagne n'est peut-être pas le pays où on peut envisager de faire carrière. Alors, il a décidé de partir pour l'Amérique. L'Amérique, déjà à l'époque, c'est comme une terre de liberté, que ce soit les États-Unis qui se sont formés, qui sont devenus indépendants, que ce soit le Canada. Il voit probablement une possibilité de faire quelque chose qu'il n'aurait pas eu la chance de faire de la même manière dans son pays. Alors, il arrive à Québec en 1822 et il se lie d'amitié avec la petite communauté allemande qui existe à ce moment-là sur place, notamment avec Glackmeyer et sa famille. Apparemment, tombe amoureux de Henriette Glackmeyer, qui avait 2 ans de moins que lui. Ils se marient l'année suivante et après ça, ils vont fonder famille. Ils auront jusqu'à 7 enfants, dont quelques-uns mourront en bas âge, évidemment, comme ça arrivait toujours. Et à ce moment-là, il va donner des leçons, à s'annoncer comme professeur de pianoforte, de chant, de toutes sortes d'instruments, comme ils font tous à l'époque. Ils sont vraiment très polyvalents. Il va même importer de la musique. Il a des grands rêves, des grands projets. Et voilà qu'en 1825, il met toutes ses affaires aux enchères. Il vend son matériel, il vend ses choses pour partir étudier en Allemagne. Moi, ça m'a toujours frappée. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait d'Henriette ? Henriette, qui avait déjà un enfant à l'époque, on suppose que le gros bon sens a fait qu'il ne l'a pas emmenée parce que ça aurait été compliqué et très coûteux et que Henriette a dû retourner chez son père. C'est mon hypothèse, mais on n'a absolument rien de fondé là-dessus. Donc, il part en Allemagne, il part en Autriche aussi. Il va même à Londres où il va rencontrer Ignaz Moscheles, qui est un des élèves de Beethoven et un brillant pianiste. Il va aller rencontrer des musiciens comme Karl Czerny à Vienne, qui est un des plus fameux technicien du piano, élève de Beethoven, et il osera même aller rencontrer Beethoven. Et ça, je trouve que c'est une chose absolument incroyable, parce que Beethoven, à l'époque, c'est un homme, un quinquagénaire, qui est malade, qui est sourd, mais tellement sourd qu'il se promène avec un gros carnet dans ses mains, et quand on veut lui parler, on lui écrit ce qu'on veut dire, on lui montre et il vous répond verbalement. Ou parfois, il vous répond une bêtise sur son carnet. On a retrouvé parfois des choses pas très gentilles à l'égard de ceux qui venaient le déranger.
Maître, c'est un honneur. Vous n'ignorez pas que le Créateur ne me réserve que l'écoute des célestes silences. On ne fait pas plus jour. Écrivez. C'est qu'autrement vous diriez à haute voix. Ainsi donc, vous êtes un jeune professeur de musique de Québec, en Amérique du Nord. J'ai cherché cela sur une carte et j'ai trouvé Québec. Vous avez fait bien du chemin pour venir jusqu'ici. J'ai maintes fois voulu aller à Londres, mais jamais dans sa colonie en Amérique du Nord. Je vous trouve bien courageux. Vos œuvres m'ont enchanté si souvent que je considère qu'il est de mon devoir de vous témoigner ma reconnaissance lors de mon passage à Vienne. Je sens que vous êtes sincère. Je trouve admirable que vous voyagiez ainsi pour parfaire vos connaissances musicales. Je sentais qu'il fallait que je revienne aux sources. Ma formation a été trop brève. J'en mesurais les lacunes confrontées au monde véritable. J'ai fait escale à Londres, où j'ai rencontré Ignace Moscheles, à qui vous avez confié la transcription pour chant et piano de votre opéra Fidelio. Et ici, à Vienne, j'ai vu celui qui fut votre élève exemplaire, Karl Czerny. Tout me mène vers votre lumière. Votre tâche n'est pas la plus facile, mais il ne faut jamais renoncer. Les humains sont nés uniquement pour la joie et la souffrance. À vous de saisir la joie dans la souffrance. À Québec, je me démène. J'ai organisé des concerts. Mes élèves ont brillé à l'Hôtel Union et j'ai même fondé la Juvenile Harmonic Society pour les mettre encore en valeur. Je sens pourtant que je puis être un meilleur professeur encore. Si j'osais, maître, je vous prierais d'écrire du fond de votre grand cœur un souvenir qui restera pour moi, à une distance qu'il me faudra presque 3000 heures pour parcourir, un document éternellement précieux. Vous savez qu'aujourd'hui, 16 décembre, est le jour de mon anniversaire. Alors, je ne vous laisserai donc pas repartir sur une note triste. Voici un petit canon à deux voix en do majeur. 10 mesures suffiront, moins d'une minute de musique, mais uniquement de la joie. Que de la joie. Frau dich des Lebens. Profite de la vie. C'est le souvenir que je souhaite pouvoir emporter à Québec. C'était un 16 décembre, jour anniversaire de Beethoven. Beethoven a la gentillesse de lui écrire un petit canon de quelques notes qui dit « Réjouis-toi de la vie, jouis de la vie, freudisch des Lebens ». Beethoven, à l'époque, est très malade. Il est assez aigri, mais au moment où Moltke vient le rencontrer, il est assez de bonne humeur parce qu'il vient d'écrire des quatuors, son 13e, son 15e. Son 15e a été bien reçu. Il est en train de projeter une 10e symphonie qu'il n'aura pas le temps de terminer puisqu'il mourra 2 ans plus tard. Mais Moltke rencontre un Beethoven fort sociable à l'époque. Donc, il ne s'est pas fait engueuler par lui. Il a été vraiment bien reçu. Et ce petit canon optimiste jouit de la vie. Eh bien, il pourra le ramener donc au Canada et dire à tout le monde « J'ai rencontré Beethoven, j'ai été un disciple de Beethoven ». Bon, ce n'est pas tout à fait vrai, mais au moins fréquentation des grands noms qui font carrière à ce moment-là à Vienne, à Londres ou en Allemagne, ça fait bien dans une carte de visite. Alors, je pense que c'est là que Moltke a eu ce petit éclair de génie d'aller rencontrer Beethoven et de revenir rehaussé d'une certaine aura de prestige.
Moltke revient donc au printemps 1826 à Québec, et théoriquement pour y rester. Et il va de nouveau s'annoncer comme professeur de musique, il va faire des prouesses pour se faire connaître, pour annoncer qu'il recrute des élèves de tous les instruments possibles. Bref, il fait comme tous ses confrères, qu'ils soient anglais ou allemands de l'époque, c'est de montrer sa polyvalence. Ça, c'est un point qui est toujours très dominant à l'époque, d'être capable d'enseigner plusieurs instruments. Il va enseigner peut-être aux Ursulines, au séminaire, dans différents endroits comme l'hôpital général. En fait, on sait que tous ces gens-là faisaient ce type de parcours, d'aller dans les couvents et donc les institutions religieuses pour enseigner. Il va même publier en 1828 un traité de musique qui était une sorte de base de solfège, c'est le béaba. Il commence en disant qu'il y a 7 notes dans la gamme, que la portée se lit de bas en haut, qu'on numérote les lignes de bas en haut, comment faire, comment chanter, comment ne pas grimacer en chantant, par exemple. C'est quelque chose qu'on devrait peut-être ramener au goût du jour. Et donc, il va vraiment faire quelque chose de très pédagogique, graduellement, pour montrer aux amateurs et aux pensionnaires, aux musiciens, donc, dans l'âme, comment faire pour apprendre à jouer ou à chanter d'un instrument, le piano, le chant, entre autres choses. Moltke, bien que bien établi à Québec, à un moment donné, éprouve le besoin de s'en aller aux États-Unis, en fait, en Amérique, qui s'en va au Vermont, à Burlington, où il va se trouver pendant quelques années un poste de professeur de musique, avec toujours le même modèle, enseigner, écrire des traités, en fait, se faire connaître. Puis, il revient, après quelques années, il était parti en 1833, il revient quelques années plus tard, et puis il va essayer à Montréal aussi de faire carrière. Ça n'a pas l'air d'avoir un grand succès. Il y a beaucoup de concurrence, notamment justement des Allemands et même quelques Belges qui sont installés à Montréal. Donc, il revient à Québec. Et là, il se convertit au catholicisme. Il faut rappeler qu'à l'époque, on ne pouvait pas vraiment être organiste ou au service d'une église si on n'était pas de la confession religieuse, de la bonne religion. Et déjà, à l'époque des Jésuites, on le disait, si un musicien veut jouer ou chanter à la cathédrale de Québec, il doit se convertir s'il n'est pas catholique. Alors, il va le faire pour obtenir le poste d'organiste qu'il va tenir pendant quelques années en organisant notamment des chœurs, en montant des concerts. Il fait preuve d'un grand dévouement. Il fait de la copie manuscrite de partitions. Vraiment, il se donne beaucoup de mal pour faire quelque chose de brillant, parce qu'il y a eu déjà Glackmeyer, il y a eu quelques autres musiciens qui se sont essayés. Donc, lui, il s'impose. Mais il va lui arriver quelques malheurs en cours de route qui fait qu'il sera obligé de démissionner. Bon, ça, c'est une autre histoire. Et pendant toute cette période-là, Moltke fait partie des musiciens les plus actifs de Québec. Il va publier un autre traité de chant, cette fois-ci bilingue. Il va donc vraiment s'adapter. Il va écrire des chants patriotiques, entre autres choses, de la musique. Il va être une des premières fois que l'on va chanter un office à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste sous sa direction à la cathédrale, c'est déjà un événement. Il s'intègre donc, il appartient vraiment au paysage du Québec à ce moment-là, de l'époque. Et ça, je crois que c'était un point à noter. Il a voulu vraiment s'installer, prendre racine ici et devenir canadien, en fait, dans l'âme. Ça m'a toujours frappé beaucoup. Il avait écrit notamment, il a mis en musique un poème patriotique d'Isidore Bédard qui s'appelait « Sol canadien, terre chérie », en français en plus, une œuvre très, très généreuse. Alors, on voit vraiment ce qu'il fait. Et il va aussi compiler deux petits volumes de chants sacrés qu'il appelle « La lyre sainte », dans les années 1840. Et ça, c'est intéressant parce qu'il va y mettre des chants aussi bien d'origine française. Il y a même un cantique anglican qu'il a transformé en « Au salutaris hostias », donc qui pourra avoir été chanté à la cathédrale de Québec. Mais c'est un thème qui était très cher aux anglicans de l'époque. En 1832-33, il met au point une espèce de petit appareil qui s'appelle un chromatomètre qu'il va faire breveter
et qui était une sorte de règle musicale. Il y avait des compartiments de notes avec une réglette. Il y avait comme une corde et on pouvait donc apprendre les notes de cette manière chromato, dans le sens chromatique. Donc c'était d'apprendre à bien connaître les notes de musique. Alors c'est quand même assez astucieux parce que on sait que à l'époque, on invente plein d'appareils, on fait des essais, on y va un peu à tâtons de découvrir des façons d'apprendre facilement la musique. Nous, dans notre époque moderne, on voit comme c'est facile avec des vidéos, des tutoriels de faire de la musique. À l'époque, il faut vraiment découvrir des façons de faire. Et il y en a un exemplaire qui est conservé au musée des Ursulines. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre jusqu'à quel point sa notoriété ici à Québec était quand même reconnue puisqu'il a enseigné un peu partout dans toutes les communautés religieuses, notamment aux Ursulines, et que ce rôle donc de pédagogue devait être apprécié. Adolphe, le contrepoint qu'on a ici contient plusieurs gaucheries. Je vais te demander d'en identifier cinq et de m'expliquer pourquoi il en est ainsi. Ensuite, tu feras quelques contrepoints qui ne contiennent aucune de ces maladresses absolument condamnables. Oui, même, papa. C'est bien. Mon ami, puis-je te parler? Qu'en est-il de la cession des sommes gagnées à l'église que te réclamaient tes créanciers? Je veux savoir si l'on peut compter sur tes prochains émoluments de Notre-Dame de Québec. La dette s'élevait à 84 livres, tu fais bien de me le rappeler. Et Dieu merci qu'il ne me reste qu'un seul paiement à faire. Dans 8 jours, ce sera la dernière somme de la paroisse qui sera retenue. Ah, ma chérie, après ce dernier paiement, je toucherai l'orgue de la basilique avec les doigts plus légers. Je sais que je ne devrais pas m'inquiéter. Nous avons les rentrées d'argent de ta tâche de chef de chœur au séminaire et des ventes du traité élémentaire de musique vocale que tu as fait paraître. Et bien sûr, de tes leçons particulières qui ont tant de succès. Oh, très bien, mon garçon, très bien. Maintenant, regarde ces exemples. Tu vas compléter cet exercice avec une voix en blanche et une voix fleurie, et tu vas incorporer au moins 2 retards. À tout le moins, c'est régulier. Aussi, j'ai commencé la rédaction d'une méthode nouvelle et originale pour le pianoforte. C'est beau de voir ton enthousiasme quand tu en parles. Tu es un professeur respecté. Et il se vend encore de mes chromatomètres que j'ai brevetés il y a déjà quelques années. Une boîte avec une table d'harmonie, des cordes, un chevalet mobile et un étouffoir qui, en tournant un bouton, produisent des sons mesurés chromatiquement. Parlant d'invention, peux-tu mettre fin à la leçon d'Adolphe? Car je l'emmène avec son frère au Théâtre Saint-Louis. On y présente des dioramas. Ah! Les dioramas, voilà ce qui explique votre piètre concentration. J'ai promis au garçon de les y emmener. Je veux bien couper court à votre leçon, mais avant, chantez-moi un couplet de ce petit Lied de Schubert que je vous ai donné à apprendre. Au fond d'une onde claire passait et repassait la truite plus légère, plus rapide qu'un trait. J'étais sur le rivage et mon regard suivait les jeux de la volage au fond du ruisselet. Les jeux de la volage au fond du ruisselet. Ça ira, allez, suivez votre mère et amusez-vous. Vous venez? Papa a du travail, mais nous lui raconterons tout à notre tour. Allez, ne t'endors pas. Nous partons.
Henriette Glackmeyer et deux de ses fils ont décidé d'aller, c'était en 1846, au Théâtre Saint-Louis, qui était un lieu très connu, très aimé, où il se produisait toutes sortes de spectacles. Et là, on présentait un diorama, c'est-à-dire une espèce d'animation de scènes qui bougeait subtilement au fur et à mesure. Et il y avait de quoi émerveiller la jeunesse, évidemment. C'était une attraction très importante. Et voilà qu'à la sortie du spectacle, il y a un chandelier ou quelque chose qui tombe du plafond, qui prend feu. Et le théâtre s'embrase. Et les gens sortent en panique et 46 personnes meurent dans l'incendie. C'est une tragédie, et une tragédie d'autant plus dure pour Molt que Henriette et ses deux fils sont morts dans ce désastre. Alors c'est une horreur. Il reste avec trois enfants, ados encore à l'époque, mais veuf, désemparé. Il avait connu quelque temps auparavant des problèmes financiers, parce qu'à force de publier, de faire connaître ses œuvres, d'engager des musiciens, de s'impliquer dans la vie musicale de Québec, il avait dépensé beaucoup d'argent, devait sans doute en récolter beaucoup moins que prévu, et était en train de s'endetter sérieusement. Il frôlait la faillite. Alors ce désastre s'ajoutait donc à toute une série de malheurs. Et quelques temps plus tard, en 1848, il se remarie avec une jeune femme anglicane. Et lui qui s'était converti au catholicisme pour être organiste à la cathédrale de Québec, il se marie avec Henriette Cowan dans l'église Holy Trinity. Ça déplaît, semble-t-il, aux autorités catholiques, puisqu'il s'était converti au catholicisme pour être organiste à la cathédrale. Et on voyait d'un très mauvais œil cet homme se tourner vers l'anglicanisme pour cause matrimoniale. Et on a commencé à lui reprocher toutes sortes de choses dans son travail, qu'il n'était pas très présent, qu'il manquait d'enthousiasme, qu'il se relâchait un peu. Mais on peut comprendre, il vit un deuil, cet homme-là. Il vit des tas de problèmes financiers, ça craque de tous côtés. Donc, il se démotive et en 1849, on s'organise pour le pousser poliment vers la porte. Autrement dit, il donne sa démission, s'en va et retourne à Burlington dans le Vermont où il va continuer sa carrière, son enseignement avec sa famille. Donc il part avec sa femme et ses enfants. Il va vraiment refaire la même chose qu'il avait faite à Québec, c'est-à-dire enseigner, donner quelques petits concerts, jouer de l'orgue à l'occasion. Bref, il va le faire jusqu'à sa mort en 1856. Et là, j'aimerais rappeler que par ces dates, Molt est de la génération de Schubert, qui est mort en 1828. Il est de la génération de Rossini également, qui mourra quelques années plus tard. Et il meurt la même année que Robert Schumann. Ça nous le situe vraiment dans un contexte historique d'une grande effervescence. Et sa tombe et toutes ses archives, en fait, tout ce qui le concerne, se trouve justement dans le Vermont. Il y a d'ailleurs une tombe, un monument funéraire qui a été fait avec le nom de sa femme et de même de Henriette Glackmeyer. Tout le monde est marqué dessus, comme quoi on a voulu commémorer quelque chose pour Molt là-bas, au Vermont. Alors, c'est ainsi donc que disparaît un des plus étonnants musiciens qu'on a pu avoir d'origine allemande avec Glackmeyer à Québec. C'était un pédagogue, c'était un homme dévoué à son art et qui avait voulu vraiment s'implanter à Québec. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le rappeler, qu'il avait vraiment donné le maximum qu'il pouvait. Et lorsqu'il a quitté, c'est vraiment parce que je crois que les mauvais souvenirs de cette tragédie familiale avaient de quoi lui donner l'envie de partir ailleurs. Les années 1830 au Bas-Canada étaient marquées par un sentiment de révolte sourde contre le régime britannique. Le clergé se tenait entre deux puisque il vivait en assez bonne intelligence avec le régime britannique, mais en même temps soutenait le maintien de la langue française, de la tradition catholique aussi face au protestantisme donc britannique. Et de ce côté-là, on sentait poindre donc des tensions politiques. À cause de tout cela, tranquillement, les Canadiens français ont commencé à regarder du côté de la mère patrie.
Certes, tout le commerce venait d'Angleterre, tout ce qu'ils recevaient comme livres, comme littérature, comme théâtre venait d'Angleterre, mais on ressentait un besoin tranquille de revenir vers la culture française, qui avait été d'ailleurs sévèrement malmenée par la Révolution et aussi par le désastre napoléonien. Alors, tranquillement, dans les années 1830, on s'intéresse à ce qui se fait en France. D'un autre côté, en France, on vit des révolutions, celle de 1830 justement, et celle de 1848, qui fait que le climat politique devient instable. Et on voit des musiciens français chercher un asile ailleurs. Parmi ceux-là, un jeune diplômé du Conservatoire de Paris, Antoine de Sannes, reçoit une invitation de Québec de devenir l'organiste. Je rappelle que Moltke est toujours en fonction. Mais comme on commençait à récriminer contre lui, on se dit qu'il serait bon d'avoir des arrières, de pouvoir le congédier, d'avoir surtout un remplaçant potentiel. Et Antoine de Sannes, jeune père de famille, bien marié, heureux et bourré de talent, on pense qu'il a étudié justement dans le même sillage que César Franck, arrive à Québec avec armes et bagages et est reçu de façon triomphale toute une délégation. On est heureux d'avoir enfin quelqu'un qui vient de France et qui arrive avec des diplômes, une compétence et qui va faire tout. On compte sur lui pour faire des miracles. Et c'est ça qui est assez amusant, c'est que De Sannes va vraiment embarquer dans ce qu'on lui propose. Il va fonder des sociétés de concert, il va reprendre en main tout ce qui existe déjà. Il se démène à la cathédrale comme organiste, comme chef de chœur. Bref, il se plaint aussi de l'orgue qui commence à s'essouffler. N'oublions pas que c'est un petit orgue anglais et lui est habitué à des orgues d'origine française, donc il n'est pas du tout heureux de ce qu'il entend. Mais De Sannes fait vraiment son possible, donne des leçons, sa femme chante, fait des concerts, monte des extraits d'opéra italiens, on joue du Donizetti, du Rossini, bref, on devient très à la page à Québec et avec toute cette culture française qui revient tranquillement prendre le dessus sur l'influence allemande et l'influence anglaise. Alors, à partir de ce moment-là, beaucoup de jeunes musiciens iront étudier en France ou en Belgique, donc se retremper dans le caractère culturel français. Et cela va avec tout le courant de la Société Saint-Jean-Baptiste, avec l'ouverture de l'Institut canadien à Québec aussi. Tout ce mouvement-là est vraiment comme une prise en main culturelle, artistique, justement,
des racines françaises du Bas-Canada. Alors, je crois qu'il faut le signaler. Et De San sera à son tour un peu incompris. On va lui faire les mêmes reproches qu'on avait fait à Mold, de ne pas être assez présent, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, de faire trop ceci. Bref, les autorités ecclésiastiques vont le pousser un peu à s'en aller. Alors, l'orgue en mauvais état, plus ces conditions difficiles, fait qu'il s'en va à New York, où il sera organiste et maître de chapelle dans une église qui s'appelle Saint-François-Xavier. Il va être là quelques années, et puis on va refaire un nouvel orgue, on va reconstruire l'orgue, et on va le réinviter. En fait, il a beaucoup d'amis à Québec qui vont faire pression pour qu'il revienne. Il revient pour quelques années, et en 1869, il revient, il va redevenir le grand musicien qu'il était, mais il a une santé défaillante et il mourra en 1873. Mais il aura eu le temps de laisser toute une culture française, toute une école aussi. À son tour, il a fait école. Et cela nous montre qu'il y a eu comme ça quelques pionniers à Québec au 19e siècle, avant qu'il y ait un orchestre symphonique bien constitué, avant qu'on ait toutes des écoles de musique ou des facultés, des conservatoires. Il y a eu tout ce petit monde fait d'hommes qui croyaient en leur art, en leur talent, en leur potentiel, et qui se sont donnés vraiment, qui ont laissé très souvent leur santé, leur argent, parfois même leur réputation, pour faire quelque chose, pour construire une vie musicale à Québec. Alors, on parlait de Molt et de cet événement qu'avait été son arrivée à Québec en 1822. Bien, on peut se dire que Molt a eu des enfants qui ont fait de la musique, il a eu un fils qui a continué à Montréal, il y a eu toute une tradition qui s'est faite. Il a eu des élèves, aussi bien parmi les Ursulines que peut-être au séminaire. Ces gens-là, à leur tour, ont enseigné, ont donc fait fructifier son art. Et en ce sens-là, quelque part, chez nous, ici à Québec, il y a un petit peu de Théodore Molt dans notre âme, dans notre vie, dans notre musique. Un des trésors de cette cathédrale, c'est ce petit orgue de la famille English qui vient de Londres, qui vient d'Angleterre, et dont on pense que Haydn aurait pu possiblement le jouer lors d'un de ses voyages en 1790-91 à Londres. Alors c'est quand même assez fascinant de se dire et de fantasmer sur le fait que Haydn a touché cet orgue avant nous. Et cet instrument a donc été offert à la cathédrale anglicane à l'occasion des 200 ans de son installation ici. Et c'est un instrument très doux, très délicat, qui est tout à fait représentatif de l'orgue britannique du XVIIIe siècle.